take away your sorrow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voici pour un petit retour sous la pluie. On a une belle journée d'automne aujourd'hui. Hier, on a eu une journée de printemps. Il a fait très beau. J'ai même accompagné Greg hier après-midi au potager. Mais là, aujourd'hui, je l'ai laissé aller tout seul. Il est parti mettre ses tomates. Il est temps. Mais en fait, quand on se demande si ça vaut le coup, elles sont pas très grosses. Il n'y a pas arrêté de pleuvoir jusque là, ces derniers jours où on était bien surbookés. Donc, on les a pas encore mis. Et là, je viens de regarder la météo pour parce qu'il me dit oui, je vais au potager. Donc, je lui dis, mais attends, je vais regarder pour voir s'ils annoncent de la pluie ou quoi toute la matinée. Et oui, ils nous annoncent même de la pluie pour enfin jusque fin juin limite quoi en fait. Enfin, les 15 prochains jours, c'est que de la pluie. On est content. Donc du coup, comme on est sur une belle journée d'automne, j'ai mis ma maison en mode automne. J'ai allumé toutes les petites lumières, les petites bougies et tout, histoire de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Alors, du coup, j'ai pas pris la caméra ces derniers jours. Alors, fin de semaine, depuis que mon père est sorti de l'hôpital, en fait, plus ou moins. Donc, il est bien sorti de l'hôpital mercredi. Plus ou moins, en fait, j'étais... Enfin, j'arrivais pas à cumuler ici la caméra, le montage des vidéos, le fait d'être disponible pour mes parents. Enfin voilà, ça me faisait des journées qui étaient trop chargées. J'avais l'impression que du coup c'était du bonjour, au revoir dans mes vidéos. Enfin voilà. Donc je me suis dit, allez, vas-y, prends-toi le temps de bien installer. Et ce week-end, on avait besoin de ces deux petits jours pour se poser et plus ou moins, alors rien faire c'est faux, mais rattraper plus tout ce qu'on n'avait pas fait du coup de la semaine. Donc voilà pourquoi j'ai pas filmé ces derniers jours. En plus je suis en plein depuis, alors ça fait un bon mois que je réfléchis un peu à l'orientation de la chaîne, enfin ce que je voudrais. Voilà, comme avenir pour la chaîne. Et du coup, je me pose plein de questions et tout. Et je pense que ça m'a fait du bien aussi de me poser un petit peu et d'y réfléchir. Enfin bref, ça on en reparlera dans quelques temps. Parce que je pense qu'on va faire un essai justement pendant les vacances. À voir. Enfin bref, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et voilà, rien de grave, c'est juste qu'on avait j'avais besoin de consacrer du temps à mes parents et j'avais besoin aussi ce week-end de me poser un petit peu et de souffler. Voilà, alors tout est plus ou moins en place pour mon père, logiquement ça devrait rouler. Je vais encore avoir voilà, les courses, les choses comme ça. Comme je vous ai dit, ma maman n'a pas le permis. Donc du coup, comme mon père ne peut pas encore conduire, ben voilà, je lui donne un coup de main et j'y vais. Comme là, cet après-midi, on a rendez-vous au médecin. Et du coup, je vais aller l'accompagner, je vais aller avec elle. Alors, du coup, Greg est parti au potager. J'ai fait mes petites routines, enfin on a fait mes petites routines parce qu'il m'a donné un coup de main. Là ce que je vais faire c'est que je vais déjeuner, donc j'avais envie de faire des pancakes. On va faire des pancakes ensuite. Je vous expliquerai au cours de la vidéo, sûrement peut-être après, un petit peu ce que je vois pour l'avenir de la chaîne et le pourquoi, etc. Alors du coup, je vais faire des pancakes, je vais vous montrer en vidéo avec une petite musique parce que pour vous éviter le bruit de fond du sèche-linge qui va à la machine à laver, je vous mettrai la liste des ingrédients et tout, hein. Y a juste à lire. En fait c'est une recette très très simple, vous mettez tout dans le blender et vous laissez vous mixer, voilà. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.
cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, the end is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. J'arrive à avoir les lèvres gercées en plein mois de juin, avec ce temps magnifique. Hein, j'ai fini de déjeuner, du coup moi deux pancakes, même s'ils sont petits, sont vachement épais, quoi, en fait. Donc c'était largement suffisant avec le yaourt grec, les fraises et tout, voilà. Alors ça sera pour les enfants s'ils veulent goûter, ou peut-être pour Stacy tout à l'heure quand elle va se réveiller. Il est 9h30 là, il y a encore tôt. Enfin tôt, pour eux, pour un ado. Pour nous, il est déjà, voilà. Mais voilà, autrement ça me fera mes petits déjeuners de la semaine, voilà. Hop. Il va falloir, ça me fait penser qu'il faut que je y voir aussi pour avoir des nouvelles boîtes, parce que j'essaie de virer le plastique au fur et à mesure à la maison. Alors pour certains trucs j'ai remplacé par les bocaux. Après j'ai quelques tupers en verre, mais j'en ai pas assez, il faudrait que j'en achète. Là ils sont pris et du coup j'ai dû mettre dans une boîte en plastique. C'est des boîtes en plastique que j'avais achetées pour mettre au congélateur. Mais voilà. Alors je ne cuis pas dedans, rien du tout. Je mets juste du froid en fait dedans, mais je préfère quand même le verre, quoi, en fait, au niveau de... Voilà. Et je trouve que ça se garde mieux, le verre, alors que le plastique, quand on met au lave-vaisselle ou quoi, ben ça ternit, ça devient opaque un peu. Enfin bref, c'est sur du long terme, en fait, je préfère aussi le verre. Je trouve que ça, c'est plus pérenne, enfin ça dure mieux, ça vieillit mieux, voilà, je cherchais le nom. Bref, alors, et pour des nouvelles de Stacy, donc du coup je vous ai quitté la semaine dernière, elle avait une double otite, ça va beaucoup mieux, elle aurait pu retourner en cours, mais elle a plus cours. En fait elle doit juste, logiquement elle devait y aller vendredi, les cours ont été annulés, aujourd'hui il y avait une heure et c'est la même chose, ça a été annulé. Je pense en fait comme ils ont pas d'élèves, ben voilà, ils annulent, ils préfèrent, quoi, en fait, parce qu'il y a déjà plein d'élèves qui y vont plus, comme les livres ont été rendus, etc. Et en fait les cours c'était jusque demain, logiquement jusqu'au 11, mais demain ils ont l'évaluation PIX. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une évaluation nationale. Alors c'est pour les ados, mais enfin c'est pour les enfants, mais pas que, parce que je sais que nous en tant qu'adultes on peut aussi le passer pour valoriser nos acquis, vous voyez, pour une valorisation d'acquis et tout, et c'est une évaluation sur tout ce qui est numérique. Voilà, tout, internet, etc. etc. Voilà, donc ils ont cette évaluation là demain, et ensuite elle a fini jusque le stage la semaine prochaine, mais elle retourne pas au lycée avant l'année, mois de septembre, quoi, en fait. Donc elle est un petit peu en vacances, enfin à part le stage, quoi, en fait, les 15 jours, mais je sais que ça va lui plaire, donc du coup ça va être un petit peu les vacances, quoi, en fait, plus ou moins. En plus c'est un stage d'observation, donc du coup voilà, hein. Bref, et pour Greg qui est là, quand vous vous posez la question, en fait j'ai fait une boulette. Je m'explique. J'étais tellement submergée, j'avais tellement la tête sous l'eau la semaine dernière, que en fait on avait reçu il y a 15 jours vous voyez le papier, la convocation pour Stacy, sa journée de citoyenneté, et j'avais vu la date et j'ai pas fait attention au jour, et j'étais persuadée, je sais pas pourquoi, j'ai vu la date et je me souviens d'avoir regardé sur mon calendrier et je me souviens que c'était un lundi.
enfin quand j'ai regardé sur mon calendrier, c'était un lundi. Donc j'ai dit à Greg, écoute Greg, je sais pas si comment ça va être et tout, ça serait cool si tu puisses prendre une journée parce que j'ai peur de pas pouvoir aller la conduire parce que bah nous c'est pas dans notre ville quoi en fait, c'est je pense qu'il doit avoir une caserne parce que ça, nous ça se passe caserne de pompiers gendarmerie. Ouais. Et il y a une caserne pour l'environnement quoi en fait, donc nous c'était sur Villeneuve d'Ascq, donc il y a quand même une petite demi-heure de route et j'avais dit à Greg, ouais je sais pas, il faut 8h15, je sais pas si je vais pas être prise, enfin bref, donc j'avais dit ça serait cool que tu puisses prendre une journée et donc il a pris son lundi et là fin de semaine arrive, donc il avait posé son lundi. Je regarde la convocation à Stacy et en fait c'était pas lundi, c'était samedi, mais je sais pas, j'étais... Pour moi, c'était aberrant que ce soit un samedi en plein week-end, quoi, en fait. J'étais persuadée que c'était en pleine semaine. Enfin, bref. Donc, du coup, bah, il a pris son lundi pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que, voilà, ça nous fait un long week-end. On en avait besoin, donc ça fait du bien aussi. Mais voilà, bref. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Allez. Je vais faire mon guide. Hier, on a été faire... Enfin, samedi, on a été faire les courses. En fait, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses. À chaque fois, on repartait de chez mes parents ou quoi. Il était 19h, 19h30. Et on passait vite fait faire 2-3 courses parce que souvent, le magasin, 8h, il ferme, quoi, en fait. Ou même 7h30 pour grand frais. On passait à chaque fois vite fait faire 2-3 courses pour le soir et le lendemain midi en se disant, bon, on ira faire les courses demain. Et en fait, compte, à chaque fois, on n'avait pas le temps d'aller faire les courses demain. Et là, samedi, je lui dis, enfin déjà vendredi, on devait aller faire les courses du coup pour le week-end. Et on n'a pas eu le temps. Donc du coup, samedi, je lui dis, bon, on doit aller faire les courses pour... Parce que autrement, on n'a rien à manger pour ce week-end, quoi, parce que là, le frigo était vide, de chez vide. Et en fait, je lui dis, bah écoute... quitte à faire les courses, je vais faire le menu, etc., etc. Je vais faire la liste de courses et on ira faire les courses de la semaine en même temps. Comme ça, c'est fait, c'est clenché, puis on n'en parle plus. Donc, samedi après-midi, on a été faire les courses. Je n'avais plus de ghee à la maison, donc j'ai repris du beurre à la ferme des producteurs et on va faire du ghee. Allez, on y go. Alors, pour le ghee, c'est très simple. Hein. Je fais juste fondre mon beurre, basse température, enfin, on va faire bouillir, quoi, en fait, jusqu'à ce qu'il atteigne 105 degrés. The mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fire. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on a le ghee qui est ici et on a le petit lait qui s'est un petit peu coagulé dans le fond. Et ça, il faut pas le mettre. Il faut le garder dans le fond de la casserole. C'est pour ça aussi que j'utilise un petit tamis pour filtrer. Et en fait, la recette me fait... Alors, un kilo de beurre me fait deux gros pots comme ça. Deux pots le parfait. C'est des pots de... Si j'ai pas de bêtises, ça doit être des 500. Alors, juste pour répondre aux questions qui risquent d'arriver ou qui risquent de vous... que vous risquez de vous poser, pourquoi je fais du ghee et pourquoi en si grosse quantité? Alors il faut savoir, c'est que le ghee, c'est beaucoup plus simple à faire quand vous faites 1 kg voire 2 kg. Alors moi je ne vais pas jusqu'aux 2 kg, je fais 1 kg ou au moins 500 grammes parce qu'en fait c'est plus facile il est plus facile de voir, vous voyez la distinction en fait entre le petit lait et le ghee, en fait le beurre clarifié qui reste à la surface, c'est beaucoup plus simple en fait pour le faire. Donc voilà pourquoi je le fais en grosse quantité. Et puis
en plus ça se conserve super bien. Donc du coup je le fais une fois et je suis tranquille pendant un mois et demi à peu près. Donc ouais, ça se conserve hors du frigo. Moi je le mets au cellier, ça rancit pas. En fait ce qui fait rancir le beurre, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Et le fait de clarifier comme ça, bah, déjà on enlève tout ce qui est protéines de, en fait tout ce qui est le petit lait là qu'on retrouve dans le fond, c'est tout ce qui est protéines de lait et tout. Donc du coup même ceux qui sont allergiques au lactose peuvent du coup le consommer. Enfin intolérante au lactose. Je sais pas si pour ceux qui sont vraiment allergiques, c'est peut-être pas forcément, mais pour ceux qui sont intolérants, c'est ok. Et puis en fait ça fait aussi évaporer l'eau qu'il y a dans le, qui reste dans le beurre, et c'est ça qui fait rancir le beurre aussi. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire monter au moins à 105 degrés. Alors moi j'essaie tout le temps d'aller voir 107, comme ça je suis sûre. Il suffit que mon thermosonde a quelques petits degrés d'écart, mais voilà, je fais 107. Et après en fait vous voyez la mousse qui est au-dessus, là vous avez vu j'ai un petit peu écumé, mais la mousse qui est au-dessus va disparaître d'un coup et va se déposer au fond du truc. Vous allez avoir quelque chose, un liquide qui va être jaune clair en fait, qui va se mettre au-dessus, et là ça veut dire qu'il a atteint la bonne température. Donc il faut bien le faire monter en température, et après moi je le mets en pot et je le mets au cellier. Alors le ghee je l'utilise surtout, en fait j'ai remplacé les huiles de cuisson par le ghee, je m'explique. On a décidé avec Greg d'acheter des bonnes huiles, donc une bonne huile d'olive et une bonne huile de colza. Mais ces huiles là quand on les monte en température, alors déjà l'huile de colza c'est pas forcément conseillé à chaud, en fait elle perd ses bienfaits, et l'huile d'olive je l'ai su récemment, ça a pas un point de fusion qui est super haut. Donc quand vous le faites cuire des choses, voyez au four ou des choses comme ça que vous faites à 200 degrés ou 180 degrés, c'est ok, mais arriver une certaine température elle perd ses bienfaits, et puis en plus elle peut devenir toxique, enfin voilà il y a des substances toxiques qui peut se mettre dans le voilà dans dedans et qui sont pas forcément très très bons sur du long terme en fait dans l'alimentation. Donc du coup alors que le ghee a un point de fusion de 250 degrés, donc il garde ses bienfaits et il se détériore pas quoi en fait à la cuisson. Alors j'utilise plus le ghee, vous voyez, pour quand je dois faire dorer la viande, la saisir ou faire cuire quelque chose à la poêle directement, parce que ça monte très haut en température, il noircit pas, il garde ses bienfaits. Voilà, faut y aller pour que monter à la température où il se détériore. Donc j'utilise plus le ghee pour ça, mon huile de colza pour mes salades à froid, et l'huile d'olive pour les choses, mettons à tiède, mettons un petit filet sur un plat avant de passer à table ou au four. Voilà, mais autrement j'utilise principalement le ghee. Donc voilà le pourquoi. Après je vous laisse aller vous renseigner voilà pour les bienfaits et tout, mais voilà le ghee est plein de bienfaits, on peut même l'utiliser sur la peau et tout, et puis ça donne ce petit goût, vous voyez le petit goût du beurre quand on fait revenir une viande et que on met le ghee, on met le morceau de beurre, ça a ce petit goût là, et là ça reprend en fait et puis je trouve ça pratique parce que pas besoin d'en avoir au frigo, je le mets au cellier, enfin voilà. Bref, pour nous c'est adopté. On peut même le mettre sur le du pain si vous souhaitez, vous pouvez même l'utiliser sur du pain et tout. Bref, là du coup j'ai refait mon stock pour à peu près, alors je fais 1 kg et je vais à peu près un mois et demi, si c'est pas plus ça dépend, là ça va être le moment de les salades donc on va utiliser beaucoup moins, mais ça dépend ce que voilà, si on mange beaucoup de plats mijotés ou quoi, beaucoup de plats à la poêle, but oh voilà, how ça dépend, we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason, we're both getting out of line, now say goodbye and try to move on. J'ai rempli mon agenda, j'avais pas pris le temps de le faire ce week-end, et je voulais en même temps discuter un petit peu avec vous sur ce que je vous parlais tout à l'heure de ce que j'avais envie pour les prochains mois, enfin de tester là pendant les vacances, et puis de voir si ça fonctionne, si ça nous convient, si ça me convient à moi, etc. etc. En fait, depuis quelques temps, je me remets en question et j'ai envie de vous partager autre chose que du vlog. En fait, j'ai vu quand je fais des vidéos qui sont autres que du vlog, que ça vous intéresse, que vous aimez ça. Le mois dernier, je vous ai partagé une vidéo
retour de course. Alors, je vous partageais les courses, etc. Mais je vous partageais aussi tout. C'était une semaine dans notre assiette avec les courses, le menu et les recettes. Donc, en fait, je vous avais partagé les courses, mais ensuite le menu en vidéo, en fait, de toute la semaine et les recettes du menu, quoi, en fait. Et vous avez été beaucoup à me donner des retours sur cette vidéo. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Vous étiez beaucoup à me faire des compliments dessus, à me dire que vous aimez ça. Et je l'ai vu aussi sur les vues, que ce genre de vidéo vous plaisait. Ce qu'il y a, c'est que, alors, j'ai une envie aussi, moi, de vous partager tout ça. Ce qu'il y a, c'est que comme je filme tous les jours, que je fais des vlogs tous les jours, que je fais des daily vlogs, en fait, tous les jours, j'ai du montage. Tous les jours, j'ai du travail sur le PC. En fait, tous les jours, il y a une vidéo. Donc, je ne peux pas me consacrer à une deuxième vidéo. Le fait que je vlog, qu'il y a déjà une vidéo tous les jours, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors déjà, parce que j'ai pas le, en ce moment, je n'ai pas le temps de le faire. Et puis, parce que j'ai l'impression que ça ferait trop, quoi, en fait. Ça ferait trop de vidéos. Et puis, j'avais déjà essayé une fois de faire vidéo recette et vlog en même temps sur la même journée. Ça ne fonctionne pas. C'est, voilà. Et j'ai aussi envie de me libérer du temps aussi. J'ai remarqué... Enfin... Faut vous imaginer que tous les soirs, je passe tous mes soirées sur le PC à travailler, à, je vais coucher assez tard, en fait, tout ça. Enfin, voilà, c'est, je me plains pas, hein, parce que j'adore ça. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est une chance inouïe. Et là, je m'en suis rendu compte avec ce qui s'est passé avec mes parents et tout. C'est une grande chance que j'ai de pouvoir m'accorder du temps comme ça, m'accorder des stops, des, voilà, de pouvoir organiser ma vie, organiser mon emploi du temps en fonction d'eux. On n'a pas toutes ces chances là en fait, et je me rends compte que donc je suis comme je l'ai dit très reconnaissante, hein, pour tout ça, mais voilà, j'aimerais, enfin voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire autre chose et pour pouvoir vous partager autre chose. Donc du coup, je pense, alors le vlog, j'ai commencé la chaîne pour, avec des vlogs dans le but, je vous l'ai toujours dit, hein, de garder des souvenirs. En fait, là, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, et quand on regarde, Stécie avait 10-11 ans quand j'ai commencé. Le seul regret que j'ai, c'est pas avoir commencé avant, parce que c'est des souvenirs, mais de fou, quoi, en fait. Ça arrive très souvent, les enfants, de re-regarder, surtout Kim qui regarde avec les petits ou quoi, et qu'elles ont... C'est vivant, en fait, un vlog. C'est comme des vidéos, c'est comme un journal, un petit peu, sur lequel vous racontez, il y a du... Enfin, voilà, il y a de la vie dedans, enfin, c'est ce que j'aime, en fait, dans le vlog, et ce que j'ai envie de continuer à partager, mais plus aussi régulièrement. En fait, je pense que je vais faire, parce que comme je l'ai dit, moi je veux garder une trace, c'était le but de la chaîne, c'était de garder des souvenirs, donc je veux continuer les vlogs pour garder justement ces souvenirs. Mais il y a des jours où il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. Il y a des jours où voilà, je suis et encore je me laisse même pas, parce qu'en fait quand on filme comme ça, le truc du le piège, en fait, du vlog, c'est que quand vous partagez quelque chose, il faut que vous avez quelque chose à partager. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pour ça que je ne filme plus le dimanche, c'est qu'en fait, vous vous obligez à faire des choses. Et vous vous obligez à essayer de trouver un contenu qui est intéressant pour la personne qui regarde, donc pour vous. Et du coup, bah, vous vous octroyez aucun moment où vous ne faites rien. Parce que me regarder, mettons, lire un livre toute une après-midi, ben, c'est pas intéressant pour vous, c'est souhaite pour moi, mais c'est pas intéressant pour vous. Me regarder, ce qui est intéressant, c'est peut-être le livre que je lis, le parler du livre, le résumé, le truc comme ça, mais ça peut pas faire une vidéo, quoi, en fait. Enfin, je sais pas si, enfin, ça peut pas remplir le vlog, quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Surtout que le livre, je l'aurais pas fini en une journée. Bref, donc voilà, je m'accordais pas de temps, en fait, pour moi, justement parce que je me forçais à faire des trucs pour animer, en fait, cette vidéo, en fait, pour avoir du contenu dans mes vlogs. Bref, donc en fait je pensais faire des, continuer les vlogs, comme je vous ai dit, moi ça me tient à cœur parce que ça me laisse des souvenirs et ça laisse des souvenirs à mes enfants. Donc continuer des vlogs, mais peut-être moins, plus tous les jours, pour pouvoir aussi m'accorder du, me dégager du temps aussi pour vous filmer autre chose. J'ai plein d'idées de vidéos que je voudrais vous partager, mais en fait qui sont sur plusieurs jours. Là j'ai vu par exemple la confiture de fraises, comme je l'ai intégrée dans un vlog, et ben j'ai dû la couper, enfin voilà, les couper alors que je pourrais la
faire une vidéo confiture avec plusieurs recettes de confiture par exemple et la condenser dans une, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et le fait de faire moins de vlogs, ça me libérait justement du temps pour pouvoir faire ce montage là, pour pouvoir faire d'autres vidéos, enfin bref, vous partagez des DIY, vous partagez, parce que ça aussi c'est pareil, j'aime ça, mais je m'accorde pas ce temps en fait de les faire. Donc voilà, donc là je voulais profiter en fait des vacances. Alors je ne sais pas encore trop comment ça va se planifier, si je vais faire alors j'avais pensé à peut-être 3 vidéos par semaine du coup, au lieu de 5, enfin même 6 qu'il y a en ce moment, 3 ou 2 peut-être, enfin je ne sais pas, alors déjà pendant les vacances, et puis après voir comment ça se passe et voir comme alors comme je l'ai dit, pour l'instant il n'y a rien de figé, je suis en train de d'y réfléchir, voir comment je vais faire, ou peut-être ouais, je sais pas trop, mais voilà, c'est un peu mes envies pour le futur quoi, en fait, pour peut-être le mois prochain, faire du coup du vlog mais sur plusieurs jours. Oui, des wiki vlogs. Peut-être que je ferai 2 vlogs par semaine, un vlog début de semaine et un vlog fin de semaine, et en plus une vidéo à côté à thème quoi en fait. Ouais. Mais voilà. Du coup, il y aurait peut-être un peu moins de vidéos, mais un peu plus de contenu qui soit différent. J'avais envie de tester pour voir si ça fonctionnait, et puis voir quoi en fait si. Voilà, vous allez faire un test. Et puis là, en plus, pendant les vacances, ben, ça me permet aussi de ralentir un petit peu le rythme. Et puis si je vois que ça ne fonctionne pas et que ça ne me convient pas, parce que j'ai, comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà essayé, je suis revenue en arrière. Donc peut-être que ça ne me conviendra pas et qu'au mois de septembre, on reviendra avec un vlog tous les jours. Et puis voilà. Mais bref. Parce qu'en fait, ça va être du planifiage. En fait, l'avantage avec le vlog, c'est du spontané. C'est que vous planifiez. Alors, je planifie de temps en temps, mais vous planifiez rien. Enfin, moins que si là, c'est des vidéos qui sont programmées, quoi, en fait. Mais ouais, pour vous faire, vous voyez, justement, le retour de course avec toutes les recettes, pour vous faire, mettons, comme là, je vous ai parlé de 3 idées de recettes de boulettes, en fait, ben, ça fait 3... Je vais vous partager, du coup, 3 recettes de boulettes condensées en une seule vidéo. Après, j'ai plein d'idées, quoi, en fait. On m'avait demandé des petits déjeuners, des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est pareil. Il faudrait que je fasse une vidéo consacrée. Enfin, bref, voilà. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme je l'ai dit, hein, il n'y a rien qui est encore fixé, je me laisse encore un petit peu de temps de réflexion là jusqu'à la fin du mois, et puis on verra si on met ça en place ou pas. Bon, alors en fait, le truc qui va être compliqué si je fais du vlog sur plusieurs jours, c'est ne pas papoter trop longtemps comme là je suis en train de le faire, parce que ça fait 8 minutes que je vous parle de ça. Donc ça va être dur, ça va être un challenge. Après, pour revenir un petit peu sur la cadence des vidéos, je pense que même vous, je pense que vous avez besoin aussi de renouveau et de me voir faire autre chose, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, alors même si c'est pas pour ça que je le fais, hein, mais les vues ont tendance un peu à baisser sur... alors je sais que c'est sur YouTube, c'est tout le monde, hein, c'est pas que chez moi quoi en fait. Après moi c'est une chose que j'ai jamais trop fait attention, mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a certaines vidéos qui a beaucoup plus de vues que d'autres, et ben en fait ça vous fait aussi vous remettre un petit peu en question, vous dites peut-être que ça intéresse plus ça que ça. Bon allez, j'avais envie de faire un gâteau au chocolat aujourd'hui. Est-ce que j'ai le temps de faire un gâteau au chocolat? Ouais. Pour le gâteau au chocolat, je vais faire un gâteau chocolat noisette. Je vais partir sur la base d'un gâteau au chocolat Bellevue. Je ne sais pas si vous connaissez. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous fassiez... Alors en fait, je vais remplacer logiquement dans le gâteau Bellevue. C'est de la poudre d'amande. Moi, je vais mettre de la poudre de noisette pour faire un gâteau un peu chocolat noisette. Alors, le seul truc sur le gâteau, c'est que prenez un moule qui n'est pas très grand. Vous voyez là, c'est un moule de 18. Prenez un moule grand max 24. Autrement, vous allez vous retrouver avec une galette, quoi, en fait. Au plus votre moule va être petit, au plus le gâteau va être haut. Au plus il va être grand, au plus il va être très fin, quoi, en fait. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec quelque chose qui est très, très fin, ne prenez pas un moule qui est trop, trop grand. Donc là, moi, c'est comme je dis, c'est un moule de 18. Donc, il va être, voilà, un peu plus épais. Alors.
Alors, au niveau des ingrédients, je vous mettrai tout ici aussi. Il va vous falloir 4 œufs, donc on va les clarifier, donc on va séparer le blanc des jaunes, 2 cuillères à soupe de lait, 125 g de chocolat, 100 ml de crème liquide, à peu près une cuillère à soupe de farine, je pense que ça fait 15 g, je vous dirai. Je vais peser en même temps. Je vous mettrai ici du coup la bonne quantité de farine et 50 g de poudre d'amande ou comme moi, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la poudre de noisette. Donc là, moi je vais mettre de la poudre de noisette, mais vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, 50 g de poudre d'amande et 125 g de sucre. C'est tout. Voilà, pour les ingrédients. Mettre son four en préchauffage, 180 degrés. Enfin, je vais mettre 175 degrés. Chaleur tournante. Hop. The brightest sky I have ever seen. The most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile. Save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. De cuisson, il est encore très, comme il est très très haut, il manquait un petit peu de cuisson, donc à vérifier avec votre moule quoi, en fait, s'il n'est pas très haut, voilà, vous pouvez mettre moins de temps quoi, en fait, mais là moi j'ai rajouté 10 minutes, je vais voir, ça fera 40 minutes à 175 degrés. J'ai préparé mon pain aussi et on a préparé la salade pour ce midi. C'est salade mâche, lentilles, tomates, oignons rouges, et je vais rajouter du yaloumi. Alors je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé parce que ça fait, moi, ça fait quelques années que je l'utilise. C'est un fromage à griller, soit à la poêle ou soit au barbecue. En fait, c'est un fromage qui fond pas. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, ça fait pas des fils ou quoi. Il y a une texture fondante. Hein. On sent bien que c'est du fromage et tout, mais ça fait pas le truc qui coule. Vous voyez, mettons, si vous mettez un morceau de gouda sur un barbecue, vous allez vous retrouver avec le gouda qui va se retrouver dans les braises. Là, non, en fait, il garde une forme intacte. Ah, j'ai un chat dans la gorge, comme on dit.
Alors, en fait, la texture, elle est un peu... Elle est ferme, ça se présente comme un bloc, comme ça on en trouve facilement maintenant. J'ai même vu qu'à Auchan maintenant ils commençaient à en avoir, alors qu'avant on n'en trouvait pas. On en trouve à grands frais, de temps en temps Lidl aussi. Alors c'est une texture quand même assez ferme, je sais pas comment vous expliquer la texture, mais c'est très dur. Ça va un peu penser à du tofu, ouais, un petit peu la texture. Alors rien à voir après hein, au goût et tout, hein. Prenez pas peur. Mais ouais, au niveau de la texture c'est assez ferme. Et après bah, vous coupez en tranches ou en dés, vous les faites griller et vous les mettez dans votre salade ou vous les mangez comme ça, c'est très très bon. Alors je pense que c'est un mélange de vache, ouais c'est ça, vache, brebis et chèvre. Voilà, pour le vrai yaloumi. Alors moi je vais le couper en dés et je vais le faire revenir dans une poêle et on va le manger, en fait le mieux c'est de le manger un peu tiède pour qu'il reste encore un peu coulant à l'intérieur. Alors, vous voyez, je les ai coupés en dés, la texture elle est vraiment très caoutchouteuse, comme ça c'est pas terrible, hein. Faut vraiment le manger chaud. Alors c'est bon hein, le goût il est bon, mais la texture ouais, c'est assez, ça, vous voyez ça crispe sur les dents, c'est... comme si que vous mangez du caoutchouc un petit peu, mais non pas du caoutchouc parce que ça coupe, ça se coupe, c'est pas gélatineux, vous voyez, mais je sais pas trop comment vous dire, un morceau de plastique ou mais au niveau du goût ça sent le fromage, mais chaud c'est en fait ça fait une croûte dorée autour et à l'intérieur c'est mi-ferme mi-fondant, là c'est vraiment très très bon. Et au niveau du goût ça ressemble pas, vous voyez, à un fromage de chèvre, c'est pas aussi fort, ou un fromage de brebis. C'est assez doux en fait, c'est voilà, c'est pas vachement prononcé. Donc au niveau du goût, ouais, ça ressemble un peu, vous voyez, tout ce qui est gouda, ouais, c'est assez, c'est pas comme si vous prenez un morceau de chèvre ou de brebis et vous le faites fondre, vous voyez que c'est assez corsé, on voit que c'est mélangé. Greg n'aime pas le chèvre chaud, ni le fromage de brebis chaud, et là ça passe nickel. Alors, j'ai sorti le gâteau du four, alors vous voyez, il a bien gonflé, il est arrivé en haut du moule. Par contre il va s'affaisser un petit peu hein. C'est un gâteau un peu mousseux, c'est très très léger, là vous voyez il est déjà en train de s'affaisser. Faut le laisser dans le moule une fois qu'il est sorti. Alors là du coup moi je l'ai mis 40 minutes, j'ai piqué, la pique est ressortie sèche. Il faut le laisser au moins 10 minutes dans le moule, refroidir un tout petit peu, et ensuite vous pouvez le démouler. Là je les ai fait un petit peu dorés. Et vous voyez ça reste en cube, ça reste c'est croustillant quoi en fait. Ouais, là je vais les rajouter dans la salade, et puis j'ai fait une petite vinaigrette avec huile de colza, moutarde, de l'origan, de l'ail, du vinaigre de cidre. Vous voyez, il y a des endroits où c'est croustillant tout en étant mou et fondant. Angel est rentré du travail parce que lui travaillait aujourd'hui, il fait du matin cette semaine. On a goûté le gâteau, Greg est en train de regarder. C'est Tekken, c'est ça que t'es en train de regarder? Tekken 3. Et puis on va y aller. Ma mère a rendez-vous à 3h, donc temps d'aller jusqu'à chez eux, d'aller ensuite à son rendez-vous. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors on est entré, ça fait un petit moment, j'ai tout de suite fait les pizzas parce qu'il était déjà tard et on devait finir de remplir de la paperasse aussi, donc on s'est tout de suite occupé de ça. Donc pizza ce soir, logiquement c'était pas du tout ça, ça devait être autre chose, mais c'était pas, en fait le rendez-vous de ma mère c'était pas prévu, vous voyez sur, en fait je l'ai su ce matin, donc du coup j'ai changé le menu. Du coup voilà, comme les pizzas on les avait pas mangées hier soir, je les ai mis au menu de ce soir. Surtout que j'avais déjà fait la pâte. Elle est levée en fait dans le frigo. Alors ces pizzas, alors du poulet rôti qui me restait, poivrons, champignons, on a mis du cheddar et puis un peu de mozzarella. Et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de sauce barbecue aussi dessus. Je vais aller la chercher. Du coup. Alors c'est une pizza, en fait je vous explique. Hier soir on devait manger des pâtes à pizza, hier après-midi, enfin on devait manger de les pizzas, hier après-midi on a été au potager avec Greg pour aller jardiner quoi en fait. J'avais laissé un petit mot aux enfants pour demander s'ils pouvaient faire la pâte à pizza, parce que si je la faisais trop à l'avance, hier il faisait trop chaud, elle aurait trop levé etc. Et en fait j'avais noté les ingrédients, mais j'ai oublié d'écrire levure boulangère
sur le papier. Donc du coup, en fait, Angel s'est trompé, il a mis de la levure, c'est lui qui l'a fait, il a mis de la levure chimique. Donc quand je suis rentrée, j'ai vu que ma pâte, elle n'avait pas de levée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré la pâte pour pas gaspiller et j'ai rajouté de la levure et je l'ai mis au frigo pour la nuit. Et en fait, compte, bah, elle est très belle. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai ça. Elle a bien levé et tout, j'avais peur qu'elle lève pas assez et tout. Mais en fait, ouais, elle a bien levé. Donc je pense que la prochaine fois, voilà, je la mettrai au frigo et puis elle entendra sagement qu'on la mange. Voilà, donc ça va être le menu de ce soir. Avec une petite salade pour celui qui veut. Bon, allez, je vais vous laisser. Je pense que j'ai assez blablaté aujourd'hui. J'ai assez de... Je pense que ça va être une vidéo qui va être un peu longue. Je vais aller... j'ai commencé en fait à exporter les rushs et ouais, ça risque d'être long. Je risque d'avoir du boulot ce soir pour faire le montage du coup. Alors, demain matin, Cécile va en cours. Elle commence à 9h. Ensuite, il faut que je passe chez mes parents. Et ensuite, elle finit à 11h. Donc demain matin, ça risque d'être un petit peu la course, je vais être sur la route, mais demain après-midi ça devrait être plus cool. Et mercredi je vais faire les courses avec ma mère aussi, ça faut pas que j'oublie aussi. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis bah, demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.